Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire une vidéo de mes arrivées livresques. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière et j'ai encore craqué. Pas bien. Donc il y a eu ma commande trimestrielle de France Loisirs. Donc j'ai quand même bien craqué puisque ça marche à coup de points maintenant. Donc là je suis arrivée à 100 points, donc du coup je vais avoir un livre gratuit. C'est quand même pas négligeable. Hein. Et ensuite, commande d'Amazon, des grosses tentations dernièrement arrivées. Et ensuite, un partenariat. Donc on va commencer. J'ai lu de cet auteur Le mec de la tombe d'à côté. Et donc du coup, j'ai vu que dans la collection Piment de chez France Loisirs, ils avaient sorti également un autre de ces livres. Donc c'est Les larmes de Tarzan de Katharina Mazetti. Voilà. Donc la couverture est assez rigolote. La quatrième de couverture me plaisait bien. Donc elle est Tarzan et lui Jane. Donc voilà. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer, mais voilà que lui est tombé dessus dans tous les sens du terme. Donc bon, après, je vous lis pas toute la suite. Hein. Mais je pense que ça peut être vraiment sympa. Et en plus, si elle a le même humour que dans... Le mec de la tombe d'à côté, je pense que je vais passer un très très bon moment. Ensuite, j'ai acheté, donc pareil, un auteur, j'ai lu déjà trois livres. Donc c'est Lauren Westberger, donc c'est Stiletto Blues à Hollywood. Donc pareil, dans la collection Piment, de chez France Loisirs. J'ai lu de cet auteur Le diable s'habille en Prada. J'ai lu People or Not People et Sexe, Mensonge et plus si affinité, je crois que c'était ça le titre. Le mensonge, je suis pas sûre. Sexe. Diamant et plus si affinité. Voilà. Donc ça sera son quatrième livre. Et il y a un sacré pavé quand même. Bon, après, les marges sont grandes. Donc, à voir, je pense passer un bon moment parce que c'est un auteur. Voilà, c'est de la chick lit, c'est sympa, ça n'a pas prise de tête et ça se lit très facilement. J'avais beaucoup aimé, alors des trois que j'ai lus, j'avais beaucoup aimé People or Not People. Voilà, c'est celui que j'ai le plus aimé. Ensuite, une suite de saga, puisque j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, c'est du young adulte, mais j'avais passé un bon moment. C'est la suite de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux, c'est Comment sauver un vampire amoureux, de Bess Fantasquet. Donc moi j'ai les éditions, donc France Loisirs. La couverture est, désolée pour la brillance, est assez sympa. Donc j'avais bien aimé le tome 1, j'avais bien aimé l'humour de Lucius, hein, son arrivée chez les humains américains, j'avais bien aimé. Donc, à voir pour la suite. Hein. Moi, je me serais arrêtée, enfin, quand ça s'est fini au tome 1. Bon, c'est vrai que ça laisse présager une suite. Mais voilà, c'était pas primordial que je visse la suite rapidement. Voilà, ça se tenait, c'était bien. Bon, maintenant, on va aborder une autre facette de Anastasia et de Lucius. Donc, à voir. Ensuite, un livre. Voilà, j'entends beaucoup parler depuis donc, pas mal de temps. Voire, assez longtemps, même avant que la série sorte à la télé, de cette saga. Je n'avais pas craqué jusqu'à présent, et puis j'ai vu qu'elle était chez France Loisirs. Alors j'avais hésité entre le livre de poche et France Loisirs. J'aurais peut-être dû choisir le livre de poche. Non, chez J'ai lu, pardon, excusez-moi, j'ai dit une grosse bêtise. Chez J'ai lu, ça s'écrit vraiment plus gros, je pense. J'ai acheté Le Trône de Fer, l'intégrale, donc 1, de George R.R. Martin. Donc c'est une brique. Il y a 836 pages et c'est écrit, mais je crois que c'est la première fois que je vois si petit, même Milady fait pas si petit. C'est écrit tout minuscule, je sais pas si vous voyez, c'est tout petit, petit, petit. Je sais pas si ça va être facile à lire. Donc à voir si je le renvoie et que je le prends chez J'ai lu. Je sais pas, parce que là, c'est vraiment petit, quoi. Je sais pas si des autres publications, puisqu'il est en grand format aussi, et donc chez J'ai lu, je sais pas si c'est écrit aussi petit, quoi. Et c'est un pavé. Donc, ça, je savais que c'était un pavé, par contre. Mais il paraît que dès qu'on commence cette saga, on peut plus s'arrêter. Donc, ben, il me tarde. J'aime beaucoup la couverture, elle est très très jolie. Donc voilà, un peu de fantasy, un peu de fantastique fantasy. Voilà, une quête à la Seigneur des Anneaux. Voilà, ça me fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis, celui-là, vu... L'engouement des gens, c'est Bouchon qui a fait un superbe avis sur ce livre. Donc voilà, je l'ai dénoncé au niveau de mon rendez-vous, la blogo de la tentation, donc c'était aujourd'hui. Donc voilà,
ce tome-là, enfin cette saga-là en fait partie. Ensuite, j'ai eu donc c'est la masse critique de chez Babelio. Donc en fait, vous recevez un livre et vous faites une chronique. Donc j'avais postulé pour plusieurs livres et j'ai eu celui-là. Donc c'est Un sulfureux secret de Megan Hart. Donc c'est collection Harlequin. Enfin, c'est édition Harlequin, collection Spacey. Donc c'est un peu, c'est érotique. Voilà. Donc je n'ai jamais lu de Spacey de chez Harlequin et je n'ai jamais lu de Megan Hart qui est quand même. Elle a écrit pas mal de livres, il y a Le choix interdit. Les autres, je ne me souviens pas. Voilà, donc à voir. Je pense que je vais le lire rapidement. C'est peut-être ma future lecture, j'en sais rien. J'hésite encore pour ma prochaine lecture. Donc voilà, je dois le lire avant mi-novembre, je crois. Donc la couverture est sensuelle. À voir. Hein. Ensuite, mes craquages. Donc le week-end dernier, je vous laissais, j'avais lu pas mal dans le week-end et j'avais continué ma saga manga. Midnight Secretary, donc frustrée puisque j'avais pas la suite, donc j'ai acheté du coup le tome 6 et le tome 7 pour finir cette saga. Voilà, les couvertures sont toujours aussi jolies, c'est une couleur à chaque tome, enfin voilà, les graphismes sont magnifiques. Voilà, donc, la pochette arrière en plus, on a de l'avancement pour nos deux héros. Donc à voir, il me tarde, c'est la fin, voilà, c'est les deux derniers. Ensuite, deux livres que j'attendais, dont j'attendais les sorties impatiemment. J'ai tenu le coup début novembre pour pas craquer, pour pas les prendre. Là, je me suis dit, bon, allez, tant que j'y suis à faire des achats, allons-y, je les aurai dans ma palle, comme ça, si sur un coup de tête, j'ai envie de les lire, ils y seront. Donc, j'ai pris le tome 1 de Alex Craft, La nécromancienne, donc de Kayla Price, aux éditions J'ai lu, dans la collection Darklight, donc nouvelle saga. Qui me tentait énormément. J'espère qu'elle va supplanter Anita Black. Parce que tout le monde adore cette héroïne et que j'en fais pas forcément partie. Donc voilà, une nouvelle saga Urban Fantasy. Donc il me tarde vraiment de le lire. Il est pas très gros. 350, 370 pages, 380 pages. Donc voilà, écrit gros. Donc à voir. J'aime bien la couverture qui est très jolie. Et ensuite, donc, Steampunk. Donc c'est le genre littéraire. Donc, c'est le tome 1 de Iron Seas, en anglais. Moi, je ne peux pas très bien anglais. Donc, c'est Le Duc de Fer de Meljane Brook aux éditions. J'ai lu dans la collection Crépuscule. Donc, pareil, nouvelle sortie chez J'ai lu, qui me tentait énormément. J'ai vu quelques avis qui ont, voilà, depuis 3 semaines que ça traîne. Et c'est du bon, 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 du très bon. Donc, il me tarde de le lire. Ensuite, c'est pareil, une tentatrice de la blogosphère qui m'a fait craqué pour cet achat, il était dans ma wishlist depuis un petit moment déjà, depuis la sortie du tome 1. J'avais pas craqué, et puis j'ai vu la vie de Momi Morn sur Songe d'une nuit d'été pour le tome 2. Donc du coup, je suis allée lire son avis sur le tome 1, et donc j'ai craqué, j'ai acheté le tome 1 de Protection rapprochée, Magnétisme fatal, de Lisa Marie Rice, aux éditions J'ai lu, collection Passion intense. Un tout petit livre, 300 pages à peu près. Voilà. Donc la couverture est très sensuelle aussi. Donc voilà, une romance à voir. Voilà. Sur la vie du tome 2, elle était très très enthousiaste. Donc reste plus qu'à. Et le dernier n'est pas des moindres, mais pas des moindres. Un dont on entend beaucoup parler sur la blogosphère. J'ai lu le tome 1 de l'autre saga, donc, qui fait beaucoup parler d'elle, mais qui n'est pas encore sorti, qui sort le 7 novembre. C'est donc la trilogie de Crossfire, Dévoile-moi. Et l'autre saga qui fait fureur, qui est sorti le 17 octobre en France, c'est 50 nuances de Grey de A.L. James. Voilà, la trilogie 50 Shades. Au des éditions, c'est la thèse, je crois. Oui, j'y sais la thèse. Voilà, une belle brique aussi, hein, quand même. M'écrit gros, à voir, Dévoile-moi m'a conquise totalement, hein, c'est une belle romance, intense, possessive, voilà, avec des difficultés et tout, à voir, ici c'est du SM, je ne suis pas une grande adepte, j'ai lu quelques fanfictions sur la SM, c'est allé du soft au très hard, ça m'est arrivé, j'ai du sel hard, j'ai abandonné, c'est m'a retourné l'estomac, et donc la soft était très sympa. C'était Ellie Loulou qui la traduisait et j'aimais beaucoup. Je n'ai pas continué puisque j'ai arrêté de lire des fanfictions, mais j'aimais beaucoup. C'était Dominant Creeks, un truc comme ça. Voilà. Donc
À voir. Celui-là me tente beaucoup là pour prochaine lecture. Mais bon, j'ai encore des lectures prioritaires pour la fin du mois, donc je sais pas, mais il me tente beaucoup. Puisque tout le monde en parle, je vais me faire mon propre avis, hein. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Je lis ce que je veux, puisqu'on est quand même catalogué, mais bon, moi je ne suis pas trop concernée. Mommy porn. Après, j'aime les lectures avec des scènes olé olé, comme on dit, ou de sexe. Hein. Je lis la confrérie, je lis. Je suis ouverte, hein, écoutez. N'y a pas de mal à se faire du plaisir en lecture. On est là pour rêver. Donc bon, à voir. Après, je sais pas. Hein, les scènes. Non. Après, à voir aussi l'écriture et tout. Je vois qu'il y a pas mal de mails qui sont envoyés, etc. À voir. Mais enfin, Dévoilement était vraiment une très 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 bonne lecture. Hein. J'ai adoré. Donc il me tarde vraiment la suite. Donc voilà. Mais je vous ai présenté tous mes livres. Normalement, je ne devrais pas craquer. À part, toujours pareil, pour Belladone, la nouvelle saga de Milady et La Chasseuse de la Nuit, le tome 6. Peut-être que je vais attendre, puisque j'ai quand même pas mal de lectures prévues pour le mois de novembre en planning. Donc peut-être que je ne craquerai pas. Je sais pas, puisque j'ai pas trop de volonté, on va dire. Sinon, j'attends le 23 novembre avec grande impatience. C'est là où il y a pas mal de sorties. Donc déjà en novembre, il y a Dévoile-moi et je compte me le procurer en livre. Et ensuite, il y a toutes les sorties Milady du mois de novembre. Donc, et puis demain, enfin hier, il y avait les sorties Milady Romance aussi. Donc, il y en avait quelques-unes qui m'intéressaient, donc à voir si je vais tenir à ne pas acheter. Voilà. Mais je pense que j'en ai assez là. Il faut quand même se calmer à un moment donné. Voilà. Mais je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite un très très bon week-end. Moi sous la pluie. Donc c'est un week-end à passer sur le canapé et à lire. Je vous souhaite une bonne semaine également et je vous retrouve mercredi pour mon c'est mercredi, que disiez-vous? Voilà. Bisous bisous. Ciao!